poisson. Oh, c'est correct. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, une perche. Une grosse perche. Une grosse perche, les gars. Incroyable. Ça fait 3 lancers après le chub, là. Oh, incroyable. Incroyable. Les gars, ça fait 3 poissons en même pas 10 minutes. Elle s'est décrochée dans l'épizette. Incroyable. Oh, elle est belle. Elle est belle encore. Mais c'est fou. C'est fou ce qui m'arrive, là. Toujours au Foxy Minnow en plus. Incroyable. Oh, elle est belle, hein, putain. Ah, elle m'a mis une touche. Regardez-moi ce steak. Oh, putain, elle est belle, celle-là. Nice. C'est une belle 35, ça. Facile. Pris au Foxy Minnow. Putain, ça fait plaisir, les gars. Waouh. Regardez-moi ce steak. Elle tape la pose, en plus. Yes. Allez, on va la release. Oh, ça fait plaisir. Ça fait 3 poissons en 10 minutes, là. Elle est repartie vers les profondeurs. Waouh, incroyable. Ah, ce leurre là, il est en train de me sauver ma session, c'est un truc de fou. Pour vous dire, hein, j'ai fait ma perche ce matin là. Et là, depuis que j'ai sorti le Foxy Minnow, j'enquille quoi. Donc il est possible que les fiches en fait soient sur les alevins. Et du coup, c'est pour ça que le Foxy marche là aujourd'hui. Et que plus rien d'autre marche. Donc waouh, ça fait plaisir, la belle perche et tout. Voilà, avec ça les gars, petit Foxy Minnow coloris à blette. Allez, je vais remonter un petit peu parce que du coup, j'ai raté, enfin la perche, j'ai dérivé un petit peu le temps que je l'ai prise là. Et il se peut que j'ai raté quelques fiches, donc on va recommencer, mais ça fait trop plaisir là, je suis trop content. Allez. Oh, elle est énorme. Une méga perche encore. Oh, elle a fait une mi-tour au feu de tube. Elle m'a fait peur. Elle est énorme, le steak encore. C'était une belle 35 encore, je pense, putain. Oh la vache. Elle m'a fait peur. Poisson, au poisson, en jerkan. C'est quoi? C'est un chub. Celui-là, je le drop. Hop. Oh bah il est reparti. J'aurais pas dû le dropper. Mauvaise idée. Ok, bon c'était un petit chub de, allez, 20 je pense à peu près, grosso modo. Ah ça fait plaisir, ça enchaîne là. C'est vraiment cool. Oh j'ai fait un très beau lancer là. Je suis vraiment pris dans une branche là. Putain, ça ressemble à un fichet. What the fuck. Oh, je me suis dit broc au début, mais dis donc. Dans ma tête, je me suis dit broc. Et là, en fait, c'est juste une branche. Ouais, une belle branche. Yes, ça compte pas. Ça compte pas, les gars. Ah, je me suis fait une frayeur, je me suis dit, oh, le broc là. Et non, toujours pas. Du coup, ça m'a fait une merde dans ma bobine. Hop, c'est bon. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Oh, il vient de le prendre. Il vient de le prendre à mes pieds. Oh putain, il m'a fait peur.
il l'a suivi et il l'a pris à mes pieds. Incroyable. Incroyable. Mais c'est des fous les chubs aujourd'hui, c'est des fous. Alors me pique pas, hein, bro. Je vais reprendre la pince, j'ai vraiment peur. Parce que vous savez quoi les gars, le leurre avec lequel je les prends tous, c'est le leurre avec lequel je me suis retrouvé à l'hosto l'année dernière. Parce que nos avis, les chubs me l'avaient mis dans le doigt. C'est exactement le même leurre. Donc là, ça me fait assez peur. Donc je me méfie maintenant. Hop là, voilà. Ça y est, c'est fait. Chirurgie finie. Hop. Attendez, je vous le montre. Bougez pas. Oh, il est pas très gros, hein, mais il est venu le chercher dans mes pieds, ça m'a surpris. Regardez. Hop, tout petit chub. De 20 cm à peu près. Alors, en tout cas, c'est. Alors, on va le release. Hop, il est reparti direct. Au Foximino, toujours. C'est quand même fou. Hein. Bon les gars, fin de la session pour moi, je suis en train de remonter là avec le moteur. C'est ultra compliqué, pourtant il faisait bon, pas trop de vent, ça sentait vraiment bon ce matin et on n'a pas touché une bille. Et là cet après-midi, je voyais pas mal de chasse, enfin sur des alevins en fait, des perches je pense et des chevennes qui chassaient sur des alevins. J'ai pris un minot que j'avais dans ma boîte là, un Foxy Minot chez Sakura et là... Incroyable quoi, j'ai vraiment enchaîné, j'ai enchaîné en même pas 2 heures de temps. Après je pense que le beau temps a beaucoup aidé du coup. L'eau elle est pas mal, c'est pas mal réchauffée cette semaine et les poissons sont montés un peu sur la couche. Donc non, c'était vraiment cool. Donc là on était samedi, je vais y retourner dimanche là demain et puis je vais essayer de refaire du fish aussi. Je sais pas à quoi je vais pêcher demain, je vais voir. N'oubliez pas les gars, juste avant de se quitter, que les stickers sont dispo sur la boutique comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller récupérer les vôtres, histoire de pimper vos boîtes un peu. Allez, ciao !